Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Bon, et bien même si je passe mon 25e anniversaire en confinement, en tout cas je passe ma meilleure vie puisqu'en fait je suis actuellement en train de manger une raclette. Donc forcément je suis ravie. Et puis ben voilà, hein, écoutez, on commence le confinement avec un peu de fromage. Si vous ne savez pas comment ouvrir pour mon 26e anniversaire, et bien pensez à la raclette, la tartiflette, la fondue, enfin bon bref, tout ce qui se compose de fromage. Hein, Donc c'est un prochain rendez-vous avec des fans, ils vont tous t'offrir des raclettes. Exactement. C'est genre la pire idée du monde. Non, c'est une très bonne idée, j'adore le roquefort et j'adore le reblochon. Bisous. Hello Insta, j'espère que ça va. Qu'est-ce que vous avez fait de ce troisième jour de confinement? Dites-le moi juste ici, ça m'intéresse de savoir et je partagerai vos petites réponses dans les prochaines stories. Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai pas mal bossé, je suis plutôt contente et voilà, j'essaye de passer le temps en faisant des choses que j'ai pas le temps de faire. D'ailleurs, j'ai sorti un nouveau vlog comme tous les jours, swipez vers le haut si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, racontez-moi vos journées dans la précédente story. Bisous! Salut à tous, je vous fais une vidéo un petit peu sous le coup de l'émotion. Je viens de recevoir un appel qui m'a vraiment perturbée, comme j'ai jamais été perturbée depuis le début.